La web humoriste Younis Zunon aperçue au marché de Koumassi en train de vendre les tickets de son deuxième One Woman Show. La web humoriste, Younis Zunon et son équipe composée d'autres humoristes dont Kebaro le menteur brutal, ont été aperçus dans l'après-midi de ce vendredi 29 avril 2022, en train de vendre les tickets de son prochain One Woman Show au marché de Koumassi. Approchés regardés comme les vendeurs ambulants, Younis Zunon et sa team se baladent de marché en marché pour commercialiser les tickets de son deuxième One Woman Show prévu le 21 mai prochain à la 4000 place du Palais de la Culture de Trècheville. Et si vous me rendiez humoriste, approchez, regardez, venez payer, scandait-il dans le marché de Koumassi sous le regard étonné de la population. Un défi à relever. Younis, qui a évoqué récemment sa difficulté à se faire sponsoriser, s'est lancé le défi de réussir son événement avec 100 sponsors. Et la vente directe de ses tickets dans les marchés est l'une des solutions trouvées. Et si vous me rendiez humoriste, est le thème de son prochain spectacle qu'elle a dévoilé lors d'une conférence de presse le 23 avril dernier. Au cours de cette rencontre avec la presse, la comédienne est revenue sur ce sujet de sponsoring. Jusqu'à présent, avec mon équipe, nous avançons sur fonds propres, a-t-elle lancé. Son objectif, inciter à la création des œuvres humoristiques, valoriser la culture ivoirienne et prôner le professionnalisme. Je veux qu'on retienne de moi une artiste engagée, professionnelle avec des valeurs et une vision, a-t-elle précisé. Lire aussi Sidiki Diabaté à propos de Carmen Sama, elle m'a toujours pris comme son mari, j'ai l'habitude de faire des actions caritatives chaque fois que j'en ai l'occasion. Alors pour ce spectacle, j'ai décidé de le faire avec mes fans. Les 100 FCFA sur le ticket représentent leur contribution aux actions que nous comptons mener, à expliquer Younis Zunon à propos des 100 FCFA ajoutés sur le coût du ticket. À travers son spectacle, Et si vous me rendiez humoriste, mis en scène par l'humoriste Président Vesquet, celle qui s'est faite connaître sur la toile par des vidéos collages entend revivre avec ses fans son talent d'humoriste et révolutionner l'humour ivoirien au féminin.